Super C, écoute, chez Super C, tu as la poitrine de poulet, écoute, comme chez Coup, je t'ai dit tantôt, la poitrine de poulet, elle est chez. Je me cherche là, sur mon affaire, c'est quoi? Ah oui, chez Ah oui, chez Jo. Chez Jo, à 3,99 exactement, mais là, tu l'as à 3,77. Il n'y a pas les hauts de cuisse, il y a juste la poitrine, toutes les os, c'est tout paré, toute la patente, à 3,77 la livre. Donc, c'est quand même 22 cents la livre de moins que chez IGA. Hein? Sûr que tu ne feras pas 100 000 km pour aller chercher ça, pour sauver ça, mais quand même, tu sais que chez Super C, la poitrine de poulet désossée, pas de peau, pas rien, c'est là qu'elle est la moins chère cette semaine. À 3,77 la livre, je me répète, ou si tu préfères 8,31 le kilo. Donc, tu sais. Aussi, chez Super C, ben, les côtelettes de porc. Exactement un peu comme je t'ai montré tantôt, les côtelettes de porc. J'ai de la misère à parler. Où c'est que j'ai vu ça? Oui, chez Maxi, à 2 piastres la livre. Mais là, tu l'as à 1,88. Encore là, un petit peu moins cher. Tu vois, Super C, fait juste un petit peu moins cher que les autres pour nous attirer. Hein? C'est toujours ça l'idée, là, des rabais, c'est de nous attirer. Puis chez Super C, hey, la semaine passée, il faut que je te raconte ça vite. La semaine passée, il y avait les roses, là, hein, des belles roses, là, wow, 12 roses pour 12 piastres. Moi, j'arrive là dans l'après-midi, tout content, je m'en vais chez mes roses, c'est pour la personne que t'aimes. Plus de roses, non plus. Moi, je n'en ai plus, c'est un spécial d'une journée, il y en a toute la journée. Non, pas de bon différé, pas rien, pas de roses, hey. Là, tu vas là, dans le fond, pour ça, tu sais. Il t'attire là avec un spécial, puis t'arrives là, puis il n'y a pas de spécial. Ouf, ça m'écœure, cette affaire. En tout cas, regarde, ils me font le coup à chaque semaine. Je ne sais pas si ton Super C chez vous, il fait la même chose, mais moi, dans mon coin, ça t'aurait pas dit, là. Il y a jamais, c'est rare qu'il y a ce qu'il dit dans le circulaire. Fait que je prends les bons différés, puis je vais chercher un autre 10%. Je sais pas comment ils font pour faire de l'argent, honnêtement, en faisant ça. Probablement que ça fonctionne d'attirer les gens. Un coup qu'ils sont là, ben, ils n'ont pas le spécial, ben, ils commencent à acheter pareil d'autres affaires, là, tant qu'être là. Moi, je me fais une fleur de sortir de là. Quand tu m'attires pour un spécial, puis il n'est pas là, bye! En tout cas, regarde, on peut aller voir quand même une fois de temps en temps. Des fois, ça arrive que les spéciales qui parlent, il y en a. Hein. Donc, les côtelettes de porc, cette semaine à 1,88 la livre, hein, s'il y en a, ou 4,14 le kilo. Sinon, tu prends un Montferry, il va donner 10% de moins que ça. Fait que là, à ce moment-là, hein, quand ils ne sont pas spécial, là, ils n'ont pas tout quand ils n'ont pas spécial. Fait que tout arrive ton bon différent, super spécial, puis tu vas le chercher. C'est ça le truc. Aussi, chez Super C, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ah oui, le petit jambon charcutier. Le petit jambon charcutier, 5,77, on l'a déjà vu à 4,99 en super spécial. Ça, c'est vraiment top prix, là. Mais en bas de 6 piastres, des fois, souvent, il tombe à 5,99. Donc, 5,77, c'est quand même un très bon prix pour ce petit jambon-là, 675 grammes. C'est intéressant parce que, bon, c'est vrai que c'est salé, là, mais ça fait des soupers rapides, puis des petits lunchs aussi. Tu peux te couper des petits cubes, mettre dans une salade. Moi, je me fais ça en tranches, par exemple, là, avec une canne d'ananas. Mais ça, dans la poêle, avec des ananas là-dedans, une petite patate pilée, puis hey, on a un souper, tout le monde est content. Tu peux même sortir du sirop d'érable, tu mets ça sur ton petit jambon avec les ananas là, qui ont caramélisé. Là. Il est bon. Puis ça coûte pas cher. Là. On parle-tu de hein, 5,77 là. Tu mangerais même pas tout ce jambon-là pour le souper, même si c'était 4, parce qu'il y en a quand même 675 grammes. Hein. Fait qu'il va t'en rester même pour un dîner ou quelque chose, peut-être un autre petit lunch. Là, fait que ça paye la lune. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça pour la liste de papa papa de cette semaine. Mais écoute, hein, fais-moi un commentaire. Surtout, fais-moi un petit j'aime, partage. Parce que, écoute, il faut absolument que le plus de monde possible voit la vidéo de papa papa. Surtout si tu vis au Québec, c'est un must de regarder la liste de papa papa. Parce que tu sauves énormément d'argent. Puis ça t'aide, ça t'inspire pour pouvoir, tu sais, faire tes repas, aller justement choisir ce que tu vas faire cette semaine. Tu sais, faire ton menu, là. T'sais. Que je te conseille vraiment, puis partage ça à tous ceux que t'aimes. Gêne-toi pas, gêne-toi pas. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa papa. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa papa.